Alors, bonjour à tous. Je suis Christelle Seré, coach marketing. On est dans un autre podcast pour les échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Johan Corriveau du groupe CGPM. On va parler de marketing direct, on va parler de publicité papier, même si je suis très web, le papier a encore sa place, puis ça va être notre sujet de prédilection. Donc, je vais laisser Johan, j'aimerais ça. Bonjour, Johan. Salut Christelle. Donc, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, que tu expliques qui tu es rapidement, ton parcours, puis ça fait quoi CGPM? Ben, très rapidement, moi je travaille, c'est ça, je travaille avec la compagnie CGPM. Ça fait, j'ai commencé en 2008 à travailler pour l'entreprise. Donc, CGPM, nous autres, on est une compagnie de marketing direct. On a plusieurs produits. C'est sûr, notre core business, on vend beaucoup de stratégies de publipostage. Donc, nous autres, c'est vraiment, c'est du client en main. Donc, on va monter des stratégies pour des entreprises qui veulent avoir rapidement de nouveaux clients. Donc, évidemment, là, c'est vraiment, comme je te disais tantôt, c'est notre core business. On s'occupe de tout, impression, distribution. On va accompagner aussi clients au niveau du graphisme, stratégie, mise en place du wording, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, c'est vraiment ça qu'on va faire. Là, c'est ça, j'embarque bientôt, c'est ma 14e année. Donc, j'ai vu quelques Wow. dossiers, disons. L'expérience. J'ai vu quelques dossiers. Puis j'aimerais ça que tu expliques un petit peu, parce qu'on s'entend que la tendance est sur le web. Mais Absolument. le marketing, moi, dans mes stratégies, je dis tout le temps, tu ne peux pas avoir juste un sillon, tu ne peux pas avoir juste un créneau. Il faut que faut que tu élargisses un petit peu. Puis moi, je suis de quelqu'un qui croit beaucoup à la publicité du marketing direct, même si je ne crois plus vraiment à la publicité imprimée. Toi, c'est quoi ton feeling là-dessus? C'est sûr que tu vas y croire, mais par rapport au monde de l'imprimé aussi général. C'est sûr, si je suis encore là, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Premièrement, tu as amené un super de bon point. Qu'est-ce qui est important dans une stratégie de marketing direct, c'est de se diversifier. Moi, personnellement, mes clients, je recommande toujours avoir un minimum de trois channels de communication pour une bonne prospection. C'est sûr que le web, pour moi, c'est un incontournable. On utilise, on a même un département web sur place. Mais dans chacune de mes stratégies, c'est sûr, je vais toujours le plus possible inclure le publipostage. Pourquoi? Bien, premièrement, c'est parce que tout le monde va à la boîte à lettres. On va faire ça simple, là. Tout le monde, tôt ou tard, va aller à la boîte à lettres directement. Donc, c'est une publicité qui va être vue. Deuxièmement, l'avantage du publipostage, c'est que les résultats sont immédiats. Okay? Ce n'est pas une stratégie que ça va prendre 3, 4, 5 mois à développer. Une bonne publicité, la journée même, on va avoir des résultats. Souvent, les gens vont me demander comment que je fais pour les statistiques. J'ouvre une petite parenthèse. J'ai un système de KPI qui mesure précisément le retour de mes clients. On peut peut-être en parler plus tard si tu veux. Moi, j'ai des statistiques vraiment précises et je te dirais qu'à 90 % quand que la publicité est vraiment bien montée, oui, la journée même. Donc, résultat très rapide. Dernier point aussi que c'est avantageux, c'est contrairement à ce que les gens pensent, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher à faire. Donc, c'est très facile à venir intégrer dans une stratégie, disons web. Tu sais, juste te donner une idée, là, ça peut jouer à quelques sous à peu près par envoi, là, tout compris quand on a vraiment les bons fournisseurs. Donc, Puis, ce qui je est fais une important. parenthèse par rapport à Oui. ça aussi. Il y a toujours un calcul quand on fait une stratégie. Il y a toujours un calcul de dire, OK, bien, combien ça me coûte pour Combien ça ma rapporte? visibilité? Combien ça me coûte par personne qui vont toucher ou par interaction, par conversion qu'on appelle? Certaines conversions qu'on peut calculer, tu sais, si je prends, mettons, sur Facebook, ben, on va le calculer par le nombre de personnes qui ont aimé notre page ou qui ont rempli un formulaire. Mais en publicité imprimée, ça peut être par le nombre de personnes qui nous ont appelés, qui ont amené le petit coupon, tu sais, on est capable de faire ces calculs-là aussi. Puis après ça, on va regarder, ben, c'est quoi le retour sur investissement, parce que c'est pas parce qu'un média coûte plus cher ou moins cher qu'il est nécessairement meilleur qu'un autre. C'est toujours combien ça coûte et combien ça rapporte. Tu sais, je te donne un exemple précis. Si disons qu'on fait un mailing, combiné à ta stratégie et ça te coûte, disons, 100 $ pour rejoindre 1 000 personnes. Là, ce qu'il faut analyser, c'est combien ça t'a coûté. Disons, ça t'a généré, on va dire, 10 clients. Combien tes 10 clients t'ont rapporté et combien ton 1 000 envois t'a coûté. Donc, comme je te disais tantôt, si ça t'a coûté 100 $ pour aller chercher une acquisition de 10 nouveaux clients, donc, ça veut dire que j'ai parlé à 1 000 personnes. Sur les 1 000, là, il y en a 990 qui m'ont dit non. Il y en a juste 10 qui m'ont dit oui. Maintenant, ces 10-là, combien qui me ramènent? Est-ce que ça vaut la peine de dépenser 100 $? Donc, c'est vraiment le calcul qu'il faut faire à ce niveau-là. Ton Et par KPI la que tu suite, parlais.
Exactement. Puis c'est très important aussi, ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dans chacune, je suis certain que tu travailles comme ça aussi, c'est dans chacune des actions publicitaires qu'on va faire, c'est très, très important d'être en mesure de mesurer précisément c'est quoi le retour, comme tu disais tantôt, combien de leads ça m'a généré. À partir de là, bon, disons, mon taux de closing, c'est 30 %. Combien de clients ça m'a coûté? Donc, combien me coûte mon client? Combien me coûte mon lead? C'est extrêmement important d'avoir ce système-là. Tout à fait. Puis, je fais une autre parenthèse aussi parce que ce n'est pas toutes les campagnes non plus que l'objectif va être d'avoir des leads ou des conversions. Des fois, on va avoir des campagnes dont notre objectif, ça va être d'augmenter notre visibilité. Fait que là, on va aller chercher de la masse. Fait que là, on n'aura pas nécessairement de chiffres officiels avec des conversions. Mais ça reste que ça fait partie des stratégies qu'on va aller chercher. Puis que ça soit en marketing direct ou que ça soit en pub Facebook, Instagram, whatever, ou Google Ads, des fois, ce n'est pas nécessairement de l'acquisition de clients qu'on va aller rechercher. Fait qu'il y a, en marketing, il y a plein de sortes d'objectifs. Il suffit de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis après ça, comme tu dis, tes mesures vont refléter tes besoins aussi. Puis, le meilleur exemple, justement, pour enchaîner, qu'est-ce que tu dis? À chaque année, eh bien, à chaque fois qu'il y a des campagnes électorales, il y a beaucoup de partis politiques, justement, qui, eux autres, bien, tu sais, on va faire des envois, on va faire de la publicité web. On ne peut pas vraiment mesurer, ça va être quoi, le nombre d'électeurs, mais ce qu'on sait, c'est que ça va être vu. Et un petit peu comme un courtier immobilier dans ton secteur. Tu sais, un courtier immobilier, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on voit le visage le plus souvent possible. Que ça devienne la référence, que ça devienne vraiment, bon, écoute, j'ai le goût de vendre ma maison. La première affaire que je vais penser, tu sais, le premier logo à qui tu penses, c'est qui? Maintenant, tu vends ta maison, à qui tu penses le premier logo? Remax. Et voilà, j'étais sûr que tu allais dire ça. Pourquoi Remax sont extrêmement agressifs en publicité, sont sur les billboards, dans les journaux, sont à la télévision. Pourtant, ils ne font pas nécessairement d'offres. C'est des campagnes de déploiement complètement intéressantes, justement, de campagnes de visibilité. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de recréer à petite échelle, justement, pour un petit des plus petits clients, si on veut, là. Oui, parce que c'est pas parce que tu n'as pas les budgets de Remax Maison que tu n'auras pas de place à la visibilité. C'est juste que la stratégie risque d'être différente. À petite échelle, c'est ça. Exactement. Fait que j'imagine qu'on va reprendre l'exemple d'un courtier. Là. Ben, lui, s'il veut être vu, son but, c'est pas d'être vu au travers du Québec, c'est d'être vu dans certain secteur. Exactement. Fait que là, on va revenir avec tes affaires de 3 canaux de communication. Fait que mettons le marketing direct en est un bon, surtout pour les courtiers, là, parce que le volet papier est important. Puis après ça, ben, sur Facebook, puis après ça, sur un Google Ads, quelqu'un cherche, par exemple. Fait que tu es là sur 3 canaux. Oui. Tu as plus de chances d'aller chercher ton client. Parce que souvent, qu'est-ce que je dis, c'est que, tu sais, mettons, toi, Christian, on va dire que tu es une boursière immobilière, fait que là, tu vas frapper sur Facebook, tout le monde va sur Facebook. Donc, j'entends là-dessus, là, tu sais, ben, quand je dis tout le monde, c'est la grosse majorité de la population sur Facebook. Google, quand il y a une recherche, la majorité des gens vont faire une recherche sur Google. Donc, là, on t'a vu possiblement à 2 places en même temps et tout le monde va à la boîte à lettres. Fait qu'imagine, là, je m'en vais à la boîte à lettres, j'ai vu Christelle, mais Christelle, j'ai vu aussi sur Facebook. Puis il y a des gros changes, j'avais vu aussi probablement sur Google en même temps. Fait qu'on s'en va comme créer une petite bus d'acheter une belle combinaison de visibilité, justement, là, pour créer le maximum d'impact. Là. C'est vrai, c'est vrai. Puis si on revient au principe du marketing direct, parce que là, c'est quelque chose oui, c'est populaire, oui, on en entend beaucoup, mais pas tout le monde. On commence à miser beaucoup sur le web. Fait que j'aimerais ça que tu t'expliques un peu un client typique, mettons qu'on s'en va dans les portes et fenêtres, mettons. Oui. Ça serait quoi, dans quelle manière tu irais chercher, puis comment tu mesurerais des campagnes qui sont faites en marketing direct? Ben, c'est une super bonne question. Donc, ben, premièrement, je donnais un cas client sans le nommer. J'ai parlé d'un client géant en ce moment. C'est un gros joueur qui est à Montréal. Donc, lui, il y a un très, très gros déploiement sur le web en ce moment. Mais qu'est-ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'il vient comme plafonner. Tu sais, il y a un maximum de clics qu'il peut aller chercher par jour avec ses stratégies. Ça va très bien. Il y a des super de bons résultats. Mais là, il avait besoin d'un kick de plus. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, ce que j'ai fait avec lui, ça fait un an et demi, c'est qu'on a rajouté en parallèle, justement, une campagne de marketing direct pour aller rejoindre un autre clientèle qui ne rejoint pas. Par exemple, les personnes âgées. Donc, les personnes âgées, oui, il y en a beaucoup sur le web, mais il y en a beaucoup qui sont difficiles à rejoindre aussi. Donc, on va aller rejoindre carrément un autre auditoire. Ce qui va être important, c'est qu'un petit peu comme on parlait tantôt avec les courtiers immobiliers, là, on va déterminer les secteurs où est-ce qu'on va solliciter. Ça, c'est extrêmement important, ce bout-là, parce que nous autres, on a des outils qui existent
ou est-ce qu'on va cibler une clientèle en fonction de critères précis dans des zones précises? Je te donne un exemple. Le client en tant que tel, il dit, moi, je veux cibler des propriétaires de maisons où ce que la maison qui est bâtie a le plus de 20 ans de construction. Okay. Mais je veux cibler des gens qui ont des revenus de 100 000 $ et plus, familial, excuse-moi. Mm-hmm. Donc, là, ce qu'on va faire, plusieurs critères de recherche, on va comme monter un persona pour mm-hmm. aller rejoindre sa clientèle-ci. Parce que, mais ça, il ne peut pas faire ça sur Google. C'est pour non. ça que le match va être parfait. Parce que sur Google, les gens vont le chercher. Nous autres, ce qu'on va faire en parallèle, on va aller solliciter les gens qui ont les revenus, mais que ça fait plus de 20 ans que la maison existe. Parce que si ça fait plus de 20 ans, il y a des grosses chances que les portes et fenêtres soient à changer. C'est vrai. Après ça, sur le flyer, évidemment, on va mettre une offre. Ça, c'est très important. Et on va mettre le lien de son site Internet. Parce qu'en moyenne, pour un appel que le client va recevoir, il va recevoir 4 visites sur son site Internet. Puis on sait que si le site web est bien Absolument. Construit, on est capable d'aller rechercher encore plus le client. Exactement. Fait que là, non seulement il va chercher des leads par téléphone vraiment concrètement, juste te donner une idée, depuis l'année passée, il a généré, je regarde mes stats, c'est à peu près 1400 ou 1500 leads à peu près. Là. Ça, c'est par téléphone. Là. Ça, c'est à part les visites qu'il est allé chercher sur son site Internet. Je regarde mes statistiques. Puis en même temps, c'est super bénéfique pour le trafic sur son site web, etc. Fait que le but, comme qu'on avait parlé au début, c'est que moi, ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté un channel de communication très performant mm-hmm. pour aller combiner déjà avec sa stratégie web qui est en place, qui fonctionne merveilleusement bien aussi. Puis ton outil de mesure pour savoir combien de personnes ont appelé, c'est quoi? Je suis content que tu me poses la question. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un programme, c'est que je vais mettre un autre numéro de téléphone sur la publicité. Quand les gens vont appeler, c'est un numéro 1-800, c'est un numéro local. Quand les gens vont appeler, la première chose qu'ils vont entendre, c'est que cet appel va être enregistré à des fins de contrôle de qualité. Automatiquement, ça va être redirigé chez le client. En parallèle, j'ai une plateforme. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va capturer l'appel. Mm-hmm. Donc, elle va capturer l'appel, elle va savoir à quelle heure que l'appel a été fait, elle va savoir la provenance de l'appel. L'appel va être enregistré aussi pour que le client puisse voir comment que son employé a répondu au téléphone. Et évidemment, il va avoir comme une charte de statistiques, le nombre d'appels. En tout cas, bref, c'est vraiment très, très détaillé. Donc, grâce à ce logiciel-là, c'est qu'on va savoir quand il a appelé. C'est quoi la journée la plus performante de la semaine? Mm-hmm. Combien de temps a duré l'appel, l'enregistrement? Ça a été un bon lead, un mauvais lead, etc. Oui. Mais ce qui est important à savoir, c'est que le client qui reçoit l'appel sur son afficheur va toujours voir le numéro de son client et non mon numéro à moi. Oui, ça, c'est important. Puis ce qui est le fun aujourd'hui avec la technologie, c'est qu'on a tellement de données. Fait que toutes ouais. ces informations-là qu'on n'avait pas auparavant, qu'on est capable de chiffrer, qu'on est capable d'avoir des données, des statistiques, comme tu dis, tu es même capable de savoir c'est quand les meilleurs taux d'appel, bien, c'est avec ces données-là que tu t'optimises toujours tes campagnes puis qui peuvent toujours devenir, de ouais. un, savoir si ça a bien marché, là, puis de les optimiser à chaque fois. Bien, tu sais, tellement c'est important, à un moment donné, il y a 2 ans, j'avais un client, puis c'était une catégorie que je n'avais jamais faite. Puis j'ai dit, moi, quand je ne connais pas trop ça, je dis à personne, on va commencer par des tests, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Mm-hmm. Mais il faut absolument que je te mette un tracker, parce que sinon, je ne peux pas savoir si ça ne marche ouais. pas. Là, j'ai mis le tracker. Écoute, c'est un orthodontiste, OK? Je travaille beaucoup de dentistes, mais pas d'orthodontiste. Puis, en tout cas, j'ai fait une publicité, ça lève, mais pas tant que ça. OK. Mais là, grâce au tracker, je rappelle le client, on s'assoit ensemble. Mais là, finalement, on a comme rechangé le montage, on a rechangé plusieurs. Ça nous a pris 3 envois à peu près pour être capable de s'ajuster. Parfait. Après le 3e envoi, là, ça a décollé. OK. Ça a solidement décollé. Fait que c'était juste des petits fine-tuning qu'on avait à changer sur le message, les ondes qu'on devait changer, le ciblage. Mais c'était juste 3-4 virgules à la mauvaise place. Il est encore client aujourd'hui. Juste te donner une idée, l'année passée, il est allé chercher 20 cas majeurs. C'est énorme là, par rapport à l'investissement. Oui, parce qu'eux autres, ça vaut l'argent. C'est payant. Un investissement de moins de 10 000, il était cherché entre 200 et 300 000 de chiffre d'affaires. Là. C'est un de ses canaux. En fait, lui, il utilise ça, puis Google, puis Facebook. C'est son triangle. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe qu'est-ce qu'on fait, si on n'est pas capable, tu sais, que ça peut être dans Google, ça peut être dans Facebook, une publicité dans le journal, peu importe quoi, on doit être capable d'avoir un overview sur ce qui s'est fait pour être capable de s'ajuster.
Et puis pouvoir comparer aussi, de garder ces données-là quelque part pour garder nos campagnes publicitaires par rapport aux autres années. Et puis, il y a aussi le fait que des fois, ça se peut que là, sa campagne, elle explose, mais que dans un an ou dans 2 ans, on ne comprend pas pourquoi la même campagne ne marche plus. Fait qu'il faut recommencer, il faut réoptimiser notre campagne aussi. Oui. Ça peut être parce que les gens sont tannés de le voir, la même publicité. Ça peut être parce qu'il y a un nouvel orthodontiste dans le coin. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs, mais il faut apprendre. Il ne faut jamais s'asseoir sur son laurier en pub, dans le fond. Non, jamais. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Jamais, parce que comme tu disais tantôt, tu sais, comme... Ça, si on regarde l'année passée, par exemple, le domaine de la construction, ça avait explosé l'année passée. Mais là, cette année, c'est un peu plus tranquille. Mais là, les gens disent que ça marche moins bien. C'est pas vrai, ça marche normalement. Mais c'est juste comparé à l'année passée, ça marche moins bien. Parce que l'année passée, il y a littéralement une explosion. Mais là, on est juste retourné à la normale. Bon, mais des fois, comme tu dis, ça fait plusieurs fois que tu fais la même pub, tu ne changes pas tes couleurs, tu ne changes pas ton message. C'est normal qu'il va y avoir un certain essoufflement. Ça, c'est sûr et certain. Puis je pense que, selon moi, c'est comme dans n'importe quoi encore, si on peut vraiment appliquer cette règle-là dans toutes les sphères publicitaires. Là. C'est clair, parce qu'à un moment donné, le client qui te voit va finir par s'essouffler, il va finir par être tanné de voir le même contenu et il va même plus le voir dans son fil d'actualité ou dans son... Non, quand ils le reçoivent chez eux. Fait qu'effectivement, il faut apprendre à se régénérer. Puis moi, je dis tout le temps là, que dans la pub, il y a toujours 4 facteurs vraiment importants. Le premier, c'est quoi tes objectifs? Parce que ton objectif, c'est des conversions, puis tu t'en vas dans une campagne de visibilité, c'est clair que ça ne va pas marcher. Fait qu'il faut que tu saches où tu vas t'en aller. Le deuxième point, c'est ton auditoire, parce que tu ne parleras pas de la même manière à un gars de 25 ans qu'à un gars de 55 qui a besoin de refaire ses fenêtres. Mais non, c'est sûr et certain. Ensuite, c'est la pub. C'est un visuel ou du texte qui ne marche pas, c'est souvent ça le gros chunk, là, le gros morceau. Ben, si je ne m'adresse pas, si mon visuel parle aux parents, puis je m'adresse aux jeunes, ben, c'est clair que ça ne marchera pas, mon discours ne va pas suivre. Tu parles pas à bonne personne, c'est normal, ça ne marchera pas. Exactement. Puis la fin, c'est où est-ce que tu les amènes, ce beau monde-là? Comment ils vont convertir après? Tu les rediriges-tu, comme on disait, sur ton site web? Tu demandes-tu qui t'appelle? C'est quoi l'objectif? Puis le call to action, là, c'est exactement, ça. Ton call to action. Puis tant en imprimé qu'en web, parce que mais c'est sûr qu'en web, c'est un clic, tu l'amènes sur un landing page. Bien, l'imprimé, c'est pas mal aussi. C'est à peu près la même affaire que je disais. C'est d'autres, qu'est-ce que tu dis là? C'est à peu près la même chose que je disais à mes clients, parce que ça prend un call to action pour aller visiter le site Internet. As-tu des promotions en ligne? C'est quoi ton facteur wow? C'est super important. Là. Tu dois avoir un call to action. Là. C'est clair. Puis, tu sais, si c'est, mettons, un resto, tu veux mesurer, tu veux avoir du monde qui rentre dans ton resto, bien, tu vas peut-être mettre des coupons, tu vas peut-être mettre des éléments. Qu'est-ce que tu vas ajouter pour faire en sorte, c'est ça ton landing page, ta touche finale à ce moment-là. Oui. Tu sais, si c'est pas ton site, c'est pas ton numéro de téléphone, c'est comment tu vas amener ces clients-là aussi. Je ne sais pas si toi, tu travailles comme ça avec tes clients, mais moi, je demande souvent, parce que moi, je pose tout le temps, en tout cas, j'ai comme un formulaire de questions à poser avant de prendre un client. Puis dans mes questions, à un moment donné, je ne sais pas si tu travailles, en tout cas, si tu poses cette question-là, moi, ça l'aborde, c'est quoi ton X factor? C'est quoi ton facteur wow de ton entreprise? C'est quoi ton élément de distinction? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que chacune des entreprises ont tout un petit quelque chose que les autres n'ont pas. Tu sais, ça peut être dans l'offre, ça peut être dans la façon de servir, ça peut être dans la garantie. C'est quoi ton X factor? J'appelle ça même le facteur wow. Puis après ça, ce facteur wow-là, il faut absolument le déployer. Parce que souvent, les gens vont dire, écoute, moi, j'ai ça. Écoute, ils me nomment un offre incroyable, une façon incroyable, mais ils n'en parlent pas sur leur site Internet, puis ils n'en parlent pas sur Facebook. Tu comprends? Tu sais, ils vont juste dire, faites affaire avec moi. Oui, ils vont parler un petit peu de leur facteur wow, mais de la manière qu'ils ne crieront pas assez fort. Donc, je ne sais pas si toi, tu... Ou ça va devenir un facteur wow, entre guillemets, qu'eux se croient, mais qu'en réalité, tout le monde fait pareil, comme le fameux « j'ai un bon service client ». Parce que si tu as une business, tu es censé avoir un bon service client. Puis sinon, tu devrais pas être en business, tu sais. Fait qu'il faut toujours trouver vraiment le vrai facteur de différenciation. C'est ça. Sinon, ça sert à rien, là. Tu sais, tout le monde se dit qu'il offre un bon service client. Après ça. Non, ça, c'est pas un facteur. Wow, c'est répéter qu'est-ce que les autres disent, là. Tu sais, c'est comme mon Dieu, combien de publicités de coursiers immobiliers que je reçois, puis ils disent tout, je suis numéro un dans son secteur. C'est un exemple, là. Si tu es vrai, si tu es pas vrai, je le sais pas parce que
ça en fait peut-être 10 que je vois dans la même zone, que c'est tous des numéros 1. Comment je fais pour ça, savoir je vais ça? En profiter pour rajouter une petite touche de comment ils se positionnent numéro 1. Fait que c'est c'est sûr ça, qu'ils je peuvent comprends devenir pas. Numéro 1 des 35-45 ans qui ont des condos à vendre. Après ça, l'autre va devenir effectivement numéro 1 dans son secteur, mais lui, ça va être Ah, numéro OK, 1 tu des... me... C'est ça, fait que c'est Je toutes des comprends. statistiques qu'on peut tricher, entre guillemets, puis Je c'est comprends. comme les radios, là, sont toutes numéro 1, mais elles sont Ben toutes oui, numéro mais c'est 1 parce dans que... un créneau. Ben Mais ils oui. disent pas quel créneau. Parce que moi, en tant que consommateur, là, je suis content que tu m'en parles. En tant que consommateur, ça fait longtemps que je me pose la question. Comment ça? C'est Mais bon. c'est juste une question que probablement qu'ils ont véritablement ces C'est informations-là, ces ça. statistiques-là, mais comme les radios, c'est dans un créneau, c'est dans un secteur, c'est dans un élément spécifique. Exactement. Non, mais ça serait peut-être bon, en tout cas. Bref, c'est un petit comparé à ça parce que des fois, c'est un petit peu difficile à savoir. C'est clair, c'est clair. Et j'ai une question pour toi. Le fameux imprimé, pour toi, à part le marketing direct, l'imprimé, est-ce qu'il est mort? Si l'imprimé est mort, non, pas du tout, justement. Puis, sais-tu quoi? Depuis la. Écoute, moi, ça fait depuis 2008, on a eu un petit. Tu sais, à un moment donné, Google est devenu super populaire. On a eu une petite drop, c'est normal. J'ai beaucoup de clients qui se sont dit, mais aller sur le web, j'en avais. Tu sais, on parle en 2013-2014. Après ça, 2017, 2018, 2019, jusqu'à aujourd'hui, mes statistiques sont complètement en hausse. Parce que souvent, maintenant, les gens, ce qui arrive, ce qu'ils veulent, bon, tout le monde est sur Google, tout le monde est sur Facebook. Il y a un autre facteur aussi, c'est que les clics augmentent, le prix par clic va augmenter. Donc, prenons des centres dentaires, par exemple. À l'époque, un clic coûtait peut-être 75 sous, 1 $ peut-être le clic, on parle en 2015. Aujourd'hui, ça peut coûter plusieurs dollars. Les dentistes, c'est la même chose. Maintenant, ils doivent se diversifier. Fait que là, de plus en plus, moi, les appels que je reçois, c'est j'ai déjà une campagne de publicité sur le web. Il faut que je me diversifie. Qu'est-ce que je peux faire? Là, j'envisage peut-être de faire du papier. Oui, puis après ça, comme je disais tantôt, c'est que le papier va être un super de bon combiné parce que ça coûte tant. Enfin, on parle de quelques sous versus quelques dollars, mais il faut juste faire Oui, attention, ce n'est les pas des prix ont clics, là. changé. Oui, c'est Mais ça. c'est une belle combinaison pour justement sans avoir à mettre des milliers de dollars par mois. Encore une fois, c'est mort. Si je regarde les statistiques de mes clients que j'ai moi en ce moment, mon Dieu, c'est loin d'être mort. C'est vraiment Ben, loin je ne d'être parlais mort. pas tant du marketing direct parce que ça, ce n'est pas Ah, la OK. même affaire. Tu es tout seul. Je te parlais de l'imprimé en général, les Les pubs imprimeries, tu magazines. parles? Non, pas les imprimeries, les pubs journal, les pubs magazines, les pubs, tu sais, la bonne vieille tradition. Je veux savoir ton Écoute, opinion là-dessus. je ne veux pas m'avancer sur quelque chose. Je n'ai pas vraiment pris le temps d'analyser, mais j'ai remarqué qu'il y avait une tendance, comme les journaux, il y en a de moins en moins. Bon, je ne connais pas comment dire. Je n'ai jamais travaillé pour des journaux. Je ne veux pas m'avancer sur comment mettre un jugement sur pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Mais j'ai beaucoup remarqué de plus en plus qu'il y a de moins en moins de journaux. Comme maintenant, on prend le journal à Mascouche, de plus en plus. Bon, c'est quoi? C'est-tu le Trait d'Union? J'habitais à Mascouche. Il est de plus en plus mince. J'ai l'impression, tu sais, c'est-tu parce qu'il manque de vendeurs sur le marché? C'est-tu parce qu'il y a de moins en moins de camelots? Par exemple, je parlais avec un de mes contacts il n'y a pas longtemps, une entreprise d'accroche-porte. Accroche-porte, by the way, c'est un super de bon produit. Okay? Oui, Ça ben, marche c'est le même principe vraiment bien. que le marketing direct. Tu sais, tu as un contact unique et direct avec ton produit et pas mêlé dans de la C'est masse. ça. C'est complètement puissant ce qu'il fait, mais il travaille de moins en moins, pas parce qu'il n'y a pas de clients, parce qu'il n'y a pas de camelot il a de la misère à recruter des gens pour effectuer le travail. C'est Donc, vrai. c'est pas que l'imprimé est mort, c'est que lui, il manque d'employés pour pouvoir justement livrer directement. Mais l'imprimé change aussi. Tu sais, si je pense à la presse, ça n'existe plus papier, là. Fait que c'est considéré comme un média numérique. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus un média Ouais, c'est papier. ça, c'est Fait que la ça. pub, elle n'est pas papier. La pub journaux, elle est quand même numérique. Fait C'est que, comme le Journal de Montréal où ils sont de plus en plus directement sur Internet. Écoute, j'aurais tendance à dire, j'ai l'impression que ça se dilue de plus en plus, le journal en tant que tel. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui veut s'afficher à l'intérieur, bon, j'ai plusieurs contacts qui ont passé des publicités. Bon, il y en a qui ont des très bons commentaires. Il y en a d'autres un peu moins, c'est un peu partagé. Mais c'est encore là, ils ont-ils bien fait leur publicité? Ils ont-ils fait la bonne fréquence?
Je te dirais des poids aussi. C'est la, tu sais, bon, prenons le Journal de Montréal. Les autres sont bien, bien forts pour promouvoir leurs produits. Mais il y a d'autres journaux qui sont moins. Parce que aussi, tu fais la promotion de ton produit pour que les gens lisent. Moi, j'aurais tendance à dire. Oui et non. je suis un peu partagé. Parce que je ne parle pas de l'imprimerie. T'sais, on s'entend que l'imprimerie est loin d'être morte. T'sais, on s'entend que tout le monde a besoin. Le packaging. Non, mais le média, tu parles. Ouais, là, le média. Les journaux, les magazines, etc. Ouais, exactement. Là, la tangente change vraiment. Puis les mecs, mettons, si on s'en va au magazine, là, je vois juste qu'est-ce que je vois. Je n'ai pas, fait d'analyse. C'est juste une opinion personnelle. Mon opinion, mettons, les magazines, c'est que, tu sais, à cette heure, mettons, dans le temps, tu sais, ma grand-mère allait au dépanneur, elle s'appelait des 7 jours, des revues. Au dépanneur, tu avais une belle rangée de magazines, mais ouais, de plus en plus, il n'y en a plus de rangée de magazines. Tu sais, c'est quelques magazines sur le bord de la caisse. Oui, mais c'est plus comme avant. C'est sûr, c'est une information qui est extrêmement facile à trouver sur Internet aussi. Tu sais, on s'en va sur Facebook, par exemple, tu sais, mettons, les gens qui veulent regarder des potins, des stars, etc. Donc, je dis, ouais, c'est ça, je suis un peu partagé parce qu'il faut toujours regarder aussi le propriétaire, mettons, les gens qui font la promotion des magazines, tu sais, c'est... Puis il y a des magazines qui sont tellement spécialisés qu'eux autres, ils ne vont pas mourir. Ils vont envoyer des infolettes, ils vont faire d'autres choses en à côté, ils vont avoir une version mobile, mais que c'est tellement spécialisé qu'il y a encore de la demande pour certains créneaux. C'est plus que ce qui est plus général, qu'il y a vraiment une tangente, qu'ils sont obligés de... T'sais, je prends l'exemple de la presse, je trouve que c'est le meilleur exemple. Ben, la presse, il y avait une perte des revenus dans le journal papier. Ils ont renvoyé ça sur le web. Bien, c'est sûr que c'est moins cher à produire parce que, juste dans la dernière année, moi, je peux te le dire, nous autres, on est chanceux, nous autres, on est notre propre imprimerie, on ne fait pas affaire avec l'externe. Par contre, ce que je peux dire, si on regarde des compagnies comme Transcontinental, même nous autres, il y a eu une hausse du prix incroyable sur le papier. Oui, c'est vrai, hein, parce que, on parle tout le temps du bois là, qui a augmenté, mais le papier, c'est un décliné direct du bois. Là, fait que... Oui, les usines de pâte et papier. Donc, oui, le coût il a énormément, énormément augmenté dans les dernières années, particulièrement l'année passée, justement, pendant la COVID. La COVID, on va dire, ça a le dos large, mais nous autres, on a eu, pendant ce temps-là, une très grosse hausse. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui ne. Tu sais, moi, j'ai un journal. C'est sûr que si on prend, mettons, on retourne à la presse et on calcule le coût des employés, le coût de matière première, puis là, avec les hausses faramineuses de papier, des fois, c'est peut-être plus rentable. Des fois, il y a une question de rentabilité aussi pour eux autres. Mais par rapport au papier, il y a eu une hausse du papier. Tu sais-tu à peu près le pourcentage? Bien, écoute, tu as donné une idée. Nous autres, mettons, en 2 ans, on a augmenté d'à peu près 10 % nous autres, nos prix à cause de ça. C'est quand même beaucoup, là. OK. Parce que je sais que le bois, c'était 3 fois le prix. Fait que je me demandais si c'était aussi haut que ça pour le papier. Non, ça n'a pas été 3 fois le prix. Mais comme je te dis, mettons, il y a 10 % à peu près sur 2 ans environ. C'est quand même beaucoup sur une matière première, là, parce que veux, veux pas, tu n'as pas le choix d'augmenter ton coût si, à la base, ça te coûte plus cher. Ben effectivement, parce que oui, là c'est sûr, je ne sais pas trop comment les négociations se font au niveau du papier, les rouleaux, etc. Mais tu sais, c'est sûr, si tu manges une hausse de 10 % à grandeur de l'entreprise, c'est sûr que oui, tout est calculé. Définitivement. Pas le choix de l'absorber, là, puis de. Juste, pas de l'absorber, de le redistribuer, dans le fond, auprès des clients, mais. Mais entre toi et moi, les gens sont tellement rendus habitués à la hausse de tout, ça ne doit même pas être une problématique. Non. Ben, c'est la matière première, ça s'explique bien, tu sais, je n'ai pas le choix, fait que je te fais la même augmentation que ce que j'ai eu. Bien, tout augmente en ce moment, là, donc c'est sûr que ça va suivre le cours d'inflation. Ce n'est pas un cas isolé, là, l'imprimerie, non, ça a augmenté. Non, vraiment pas. Tu t'en vas au restaurant, juste tu t'en vas manger chez Subway, ton sous-marin est rendu à 18 $ versus 14 $, il veut là peut-être 3 ans. Comme tu disais tantôt, le prix du bois, bien, toutes les matières premières. Toutes les matières premières, même les patates augmentent, là. C'est ça. Puis justement, pour ceux qui sont en restauration, ceux qui m'entendent, si jamais vous êtes en restauration, vous avez vu sûrement des très, très malheureusement, des grosses hausses au niveau de la nourriture, la viande. Donc, la viande, l'huile, toutes les matières premières ont vraiment augmenté. Là, fait que ça rend... Tu n'as pas le choix dans le domaine de la construction aussi.
domaine de la construction des promoteurs immobiliers, là, ça n'a pas été drôle pour eux autres du tout. Là, donc, Non, c'est ça. Mais anyway, j'aimerais ça, en conclusion, que tu me parles un petit peu, là, si tu avais un conseil là, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a une business, qui a une PME, puis évidemment, tu veux parler du marketing direct, ça serait quoi le conseil que tu aimerais lui donner de plus? Bien, le premier conseil, ça serait, bien, j'en aurais deux si ça ne te dérange pas, OK? Vas-y, vas-y. Le premier, c'est entoure-toi bien. Oui. Des bonnes personnes, parce que souvent, tu sais, les gens vont dire, moi, y aller comme que je pense que c'est bon, ils ont plus ou moins d'expérience, peut-être que ça va marcher ou pas, mais vaut mieux s'entourer de gens, tu sais, un peu comme toi, Christelle, tu qui as vu beaucoup de cas. Tu sais, comme toi, tu es une coach, tu as vu plusieurs cas, quelqu'un comme toi qui va être capable de guider. Tu sais, on n'a pas des boules de cristal, mais tu sais, on a une expérience à amener, dire oui, non, voilà, écoute, je te le conseille plus, je te le conseille moins. Fait que être bien entouré, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est d'avoir un plan de match. Oui, tout à fait. Et puis de le suivre, parce que c'est pas compliqué de faire un plan, mais c'est de le faire correctement. C'est comme un peu quand tu t'en vas au gym, tu rentres au gym pour la première fois. Là, tu te dis, OK, je ne sais pas trop ma musculation, comment elle fonctionne, mais je vais consulter un entraîneur. L'entraîneur va te faire un plan. Il va te dire, tu vas t'entraîner tant de fois par semaine. Tu vas faire tes exercices. Voici la fréquence. Voici qu'est-ce que tu vas manger. Mais Christelle, si tu veux tes résultats, tu dois suivre le plan. Mais ça, c'est un bon point, hein, parce que c'est beau de mettre quelque chose en place. Si tu ne le suis pas, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Fait que si tu es un bon coach ou si tu es bien entouré, tu as un bon plan de match, mais il faut le faire avec assiduité. Ça, c'est très, très important. Ça serait vraiment, mais ça, je te dirais, c'est vraiment la base de ma pyramide. Puis là, par la suite, ça n'a pas besoin d'être parfait, le plan, mais il faut qu'il y ait un plan qui soit bien exécuté. Puis après ça, on analyse justement, bon, avec les outils, etc. Mais si on n'a pas de plan, si on ne suit pas à la lettre de manière assidue, moi, je ne pense pas que ça va fonctionner comme ça devrait marcher. Tout à fait. Puis, Johan, si on veut te contacter, on fait ça comment? Bien, la façon la plus rapide, Johan Corriveau sur LinkedIn. Tout à fait. Donc, c'est vraiment la meilleure façon. Sinon, par adresse courriel ycorriveau@commercialcgpm.ca. Mais sinon, je suis très, très actif sur LinkedIn. Donc, c'est la meilleure façon. Bien, un gros merci pour ton temps. On espère que plein de monde ont appris plein de choses aujourd'hui. Bon, j'espère. On va souhaiter. Merci de ton temps. Merci à toi. Bonne fin de journée. Bye bye.